retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un vlog. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Du coup, je suis vraiment trop contente de revenir dans ce nouveau vlog. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est le 31 août. C'est la fin de l'été et du coup, on prépare la rentrée. Donc, c'est ma première vidéo de la série Back to School. Du coup, vraiment, je suis trop contente. Aujourd'hui, je vais partir faire mes fournitures scolaires. Donc, je vais vous amener avec moi. En même temps, j'aimerais bien passer en librairie et tout ça. Donc on verra tout ça ensemble. J'ai pas mal de trucs à faire aussi. Il faut que je m'occupe de mon visage, de ma peau, parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas pris soin de mon visage. Et là, c'est un peu la cata. Je pèle un peu ici, ça se voit un tout petit peu. Donc voilà, on va essayer de se reprendre en main, de se préparer pour cette rentrée. Et bah là, faut que je bouge pour pas être en retard. Donc c'est parti. Hier j'ai reçu un colis. Là mes lunettes je les ai pas parce que je les ai lavées et je les ai rangées dans leur boîte. Du coup je vais ouvrir ce colis avec vous parce que je sais pas du tout ce que c'est. Au début je pensais que c'était les éditions Lumen, mais souvent sur le paquet il y a écrit Lumen. Et là il n'y a pas écrit. Ça fait grave longtemps que j'avais pas eu de colis, donc ça fait plaisir. Ah mais si c'est Lumen, c'est bien ce que je me disais. Ah je suis trop contente, vraiment trop contente. Il est magnifique, mais c'est une grosse brique. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Les carnets de l'apothicaire. Donc je suis trop contente, peut-être que vous connaissez le manga. Mais du coup il y a aussi le roman. Je pense que je le lirai très prochainement. Donc voilà, je suis trop contente parce que bah, le manga a l'air pas mal. Mais je pense pas que j'avais envie de me lancer dans une nouvelle série de manga et tout ça. Et quand j'ai reçu le communiqué de presse et que j'ai vu qu'on pouvait les avoir, avoir le roman, je me suis dit bah let's go. Et du coup bah j'ai trop hâte de le découvrir, de le lire, franchement ça fait trop plaisir. En plus il y a des illustrations dedans. Moi je vais me dépêcher de me préparer puisque je vais être à la bourre, donc on se retrouve après. Me voilà, je suis prête, je suis contente, là ça me fait trop du bien de prendre une bonne douche. J'ai lavé mes cheveux mais là je vais m'occuper de mon visage. Déjà je vais faire un petit masque d'argile à la rose et à l'aloe vera de la marque Cartier Paris que j'avais acheté quand j'étais partie à Lyon. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir mon petit vlog que j'ai fait. Donc j'étais avec Pauline et tout, c'était trop bien, il y en a deux d'ailleurs. Donc c'est la première fois que j'utilise, je trouve plus mon pinceau pour appliquer les masques, donc je vais appliquer avec mes doigts. C'est pas totalement rose, hein, c'est plus couleur terre, mais bon, on va pas se plaindre. J'espère que ça va faire du bien à ma peau. J'ai nettoyé mon visage avec le gel nettoyant CeraVe, celui-ci, mais je compte refaire ma skincare routine, donc il va falloir que je rachète des produits et tout, donc je pense peut-être je le ferai avec vous, je vous montrerai si jamais ça vous intéresse. En tout cas, là je suis très contente de me préparer. Je sais pas vous, mais moi pour la rentrée, j'ai quelques petites appréhensions. Oh purée, je ressemble plus à rien. Mais déjà, j'ai un peu peur de pas réussir à avoir une bonne routine et à me tenir et être assez disciplinée. Donc le plus dur, ça va être vraiment la discipline, parce que c'est la discipline qui fait tout avec la motivation. De la motivation, je pense que j'en ai, mais c'est plus compliqué qu'avant. C'est pas facile. Donc j'essaierai de faire des vidéos conseils pour réussir son année ou la commencer plus sainement. En tout cas, c'est des conseils que moi, je vais essayer d'appliquer. Voilà, donc voilà, ça fait que je stresse un peu, j'appréhende un peu la rentrée, mais d'un autre côté j'ai hâte. Donc bon, nous verrons bien. Pendant ce temps je vais aller faire des petits trucs parce que je vais pas rester 10 minutes à me regarder dans le miroir. Et puis voilà, je suis toute contente, j'ai trop hâte de faire les fournitures scolaires, je sais pas vous mais moi ça me rend trop heureuse de faire les fournitures scolaires, c'est trop bien. Ça fait tellement de bien d'enlever le masque. Bon, du coup après ce que je vais mettre sur ma face, parce qu'il faut quand même que je me dépêche, parce que en fait, tout à l'heure, moi, je suis une personne, vous me donnez rendez-vous à 14h, j'arrive à 14h30 ou 15h. C'est horrible, c'est horrible. Bref, du coup, je dois aller rejoindre mon amie pour faire les fournitures scolaires. Vous allez voir. Avant, il faut que je passe à Bazar du Manga. Donc, il faut que je me dépêche. En tout cas, ce sera ouvert. Ah, j'en ai partout sur les cheveux, c'est bon. Donc, ce que je vais mettre, c'est ma lotion tonique de chez Caudalie, qui est trop bien, et coûte super cher. Donc c'est une lotion purifiante à l'acide salicylique naturel avec des huiles essentielles bio. Après ça, je mets ma crème hydratante de CeraVe. Et bien évidemment ma crème solaire, mais il n'y en a presque plus de SVR. Elle est trop bien, pour que je la rachète. Et puis voilà, et après je vais me coiffer et on se retrouvera bah, quand je pars, parce qu'il faut que je me dépêche. Je suis prête. Voilà, je suis très contente de ma préparation.
la luminosité ne va pas là-bas. Donc je me suis fait deux petites notes allongées. Je vais mettre mes petites lunettes et puis bah c'est parti. C'est super beau, ça fait grave plaisir. Un bon soleil. Là, c'est parti. Du coup, j'ai réfléchi. Et bon, il y a trop de soleil. Je vais pas aller à Bazar du Manga parce que sinon, il sera trop tard. Et je dois rejoindre Farah. Donc, au pire, je chercherai dans les Fnac le manga que je recherche. Et si je trouve pas, bah, j'irai à Bazar du Manga demain matin. Voilà. Petit changement de programme, du coup. 100% fourniture scolaire. Sauf si j'arrive à trouver ce que je veux. Dans les snacks ou les trucs comme ça. On va partir faire fourniture scolaire. Là, on sort de Mushu. Là, on va manger des mochi. Alors, j'en ai pris un à la vanille, qui sont glacés. Ouais, aussi, et au sakura. Voilà, il y avait un monsieur derrière. Du coup, on a fait quelques petits achats. Et là, on va aller à Emma. Et voilà, on va voir la suite. Il n'y avait plus mes agendas. Donc, on a fini les achats pour les tueurs scolaires. Très contente. Et là, on va à la pharma. C'est lourd, hein. Super lourd. On va à la pharma et après, on va aller à Kiko. On va acheter des petites vitamines. Oui, pour cette année. On est des personnes épuisées. Moi, c'est ça. Parce que tu rentres en quoi? En école ensemble. Voilà. Trop bien. Et du coup, bah moi, je vais en licence sciences pour la santé. Donc. Là, je cherche du magnésium, en fait, pour avoir plus d'énergie. Oui. Elle est géante. Ouais. On est très contente parce que là, on a pris nos sushis. Un bon manger. Et là, après, on va aller prendre un réfraîchissant. Et on va se poser dans un endroit cool. Et puis voilà. Et on va manger parce qu'on est très fin. Fatigué. Heureusement, on a acheté du magnésium. Ah oui, du magnésium, c'est bien. Bon, je viens de rentrer. Il est assez tard. J'ai mis une fourniture là. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller prendre ma douche et je vais aller dormir. Et je vous montrerai ce que j'ai acheté demain. Demain matin, je sors. Je vais aller me faire percer. Voilà. C'est décidé. Par contre. J'ai acheté une trousse, donc je voulais une trousse transparente. Donc je l'ai achetée à Emma, mais je n'ai pas vu qu'elle était coupée ici. Donc voilà, je sais pas comment ça s'est fait. Mais du coup, j'ai mis le ticket de caisse dedans et je vais aller la faire rembourser. Parce que bah, voilà. Et en plus, c'était la dernière, donc je sais pas s'il y en aura d'autres. J'ai pas fait attention, j'aurais dû. Donc je suis vraiment triste, j'aimais trop la trousse. Et du coup, vu que c'est la dernière, je pense pas qu'il y en aura d'autres. Donc je vais me faire juste rembourser, j'irai voir un autre Emma. Si jamais ils en ont. Mais du coup, je suis un peu triste. Donc, demain matin, je me lève tôt. Et je vous montrerai du coup mes fournitures scolaires. Mais il n'y en a pas énormément, tout ça. Et je suis très contente. C'était une trop bonne journée. Après, on a mangé des sushis, tout ça. C'était trop sympa. Mais là, je suis fatiguée. Donc, à demain. Ok, il y a beaucoup trop de soleil. Faut que j'essaye de faire un truc. Bon, là, ça devrait être mieux. Moi, je suis plus confortable. C'est parti. Du coup, je vais vous montrer mes fournitures scolaires pour cette année 2022-2023. Franchement, j'ai pas beaucoup de fournitures parce que bah, j'en avais pas besoin d'autant. Donc en soi, ça va être assez rapide. J'ai juste racheté vraiment ce qui me manquait, les derniers petits trucs et tout ça. Donc voilà. Alors, déjà pour commencer, hier avec Farah, on est parti à Muji. Je me suis acheté ce petit tote bag. Donc c'est un petit tote bag qui était à 2€. C'était la plus grande taille. Donc voilà, franchement, je suis contente. C'est un petit tote bag simple, basique. J'en ai commandé un pour la rentrée scolaire, mais du coup, je l'ai pas là vu que je l'ai pris sur AliExpress. Ça va prendre un peu de temps avant de venir. C'est un tote bag Shakespeare & Company. Je pense que je vous le montrerai soit dans une autre vidéo YouTube ou bien sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Donc, toujours à Muji, j'ai pris un petit cahier comme ça à spirale qui sera mon carnet d'erreurs. Donc, pour noter un peu toutes les petites erreurs que je ferai lors des QCM ou de mes révisions ou les choses qui ont plus de difficultés à entrer dans ma tête. Et j'irai en racheter, donc là j'en ai juste pris un seul, il était à 2,95€ et c'est un cahier qui est ligné, voilà comme ça. Ensuite j'ai pris leur pack de cahiers, donc là il y en a 5, du coup il y en a 5, donc ça c'est pratique, je les répartirai pour les matières, tout ça, donc ça va être vraiment pour faire mes exercices, mes entraînements dessus, donc ça c'est pratique.
Ensuite, j'avais pas pris autre chose niveau feuilles ou autre parce que je vais pas gâcher trop de feuilles. Je préfère écrire les choses importantes, les corrections de mes QCM dans les cahiers. Donc j'ai juste pris un paquet et j'en reprendrai au fur et à mesure si j'ai besoin. Après, j'ai pris des petits stylos de couleur, donc un marron comme ça, donc où on appuie dessus, parce que je le trouvais trop trop beau. J'en ai pris un vert assez clair et un bleu foncé, donc tous en 0.05. Et un stylo rose aussi, parce que j'aime pas du tout le rouge. Donc comme ça, au moins j'ai mon petit stylo rose. Et franchement, les stylos de chez Muji, ils sont trop trop bien. Du coup, moi j'en avais déjà plein de noirs encore. Il doit m'en rester au moins 5-6. Donc je me suis dit que c'était pas le moment d'en racheter. J'en racheterai bah, du coup au fur et à mesure. Parce qu'il me reste quand même beaucoup de fournitures de l'année dernière. Donc je vais pas trop trop en prendre. Ensuite, j'ai pris un Crétarium. Il est vraiment trop trop beau parce qu'en fait, il ressemble à un crayon. Et par contre, il coûtait un peu cher. Hein. Je l'ai payé 5 € dans mes souvenirs. Et donc voilà, je suis contente, j'ai des recharges de Crétarium de chez Muji. Donc voilà, comme ça je pourrais le recharger et l'utiliser de nouveau. Puis j'ai mon ancien Crétarium. De base je voulais reprendre le même qu'avant, mais c'était des nouveaux qui n'étaient pas très beaux. Donc j'en ai pris un nouveau. Ensuite je suis passée à la Fnac. Et à la Fnac j'ai pris un pack de Stabilo. Parce que tous mes Stabilo je les ai donnés à ma soeur. Moi je me suis dit je vais repartir avec un petit pack de Stabilo. Lui d'en avoir, j'en avais une vingtaine. Donc là il y en a 5 et j'en ai pris un rose pastel en plus parce que bah, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, au moins j'ai mon pack de Stabilo et ça devrait franchement le faire. Ensuite j'ai pris un pack de Peppermate, donc voilà je suis très contente. Donc eux c'est les Carnaval Wonders et puis bah du coup dedans il y en a 16 et c'est des 0,7 mm pour la pointe. Donc voilà c'est très cool ça franchement pour les fiches, pour les cours, pour les corrections. Et il y a plein de couleurs sympas, donc ça je suis très contente. Après ça je suis passée à Emma et j'ai pris mon agenda, donc il est comme ça, noir, tout simple. Donc c'est 2022-2023. Je suis très contente parce qu'en fait on a notre semaine qui est bah, sur les deux pages. Et pour moi c'est plus pratique parce que ça me permet vraiment de voir ce que j'ai à faire la semaine d'après et de pouvoir mieux anticiper. Et en plus non franchement j'aime vraiment beaucoup. Et au début on a le calendrier avec tout, comment ça s'appelle, le calendrier tout simplement du mois. Donc ça c'est super pratique et donc je suis très contente, j'ai hâte d'en m'en servir. En plus ça fait un agenda qui est assez petit, assez pratique et l'organisation vraiment ça va être la clé cette année, donc il va falloir que je me mette à fond. Toujours chez Emma, bah ça je vous avais parlé, j'avais eu un petit souci avec ma trousse, donc j'y suis allée et c'est bon, elle a été changée, donc je suis très contente. C'est une trousse comme ça, transparente, je l'aimais beaucoup et voilà, donc il n'y a rien à dire de plus à part que voilà, au moins j'ai ma trousse, donc ça c'est trop bien. Et là, je viens de recevoir une coque pour mon iPad, donc mon iPad que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Donc elle est comme ça, je l'ai commandé sur Amazon. Je vais vous mettre le lien de la coque en barre d'informations pour celles ou ceux que ça intéresse. C'est une coque comme ça que j'ai pris en vert foncé, elle est trop trop belle. Elle ressort pas vraiment pareil en vrai que vous le voyez. Et du coup, bah, on peut mettre l'iPad et là, la pop pastille. Donc ça, c'est cool. Et j'ai commandé des écrans en verre aussi. Donc, on passe à la suite de mes fournitures. C'est mon iPad donc, que j'avais déjà l'année dernière. Donc, c'est un iPad Air 2020 et c'est le 4e génération. Et puis, bah voilà, il est super cool. Donc ça, j'utilise pour tout ce qui va être faire mes fiches, prendre mes cours, faire des annotations, des trucs comme ça. Voilà, suivre les cours, les révisions, donc... Ça c'est vraiment un outil qui est très pratique. Et du coup bah, quand on met la coque ça donne ça. Et après bah, vous pouvez le plier vous savez comme ça. Ah, c'est aimanté. Et le poser donc c'est pratique. Vous pouvez même le tenir comme ça. Je suis contente. J'ai enfin une nouvelle coque pour mon iPad. Et mon dernier outil. Mais pas n'importe lequel. C'est mon MacBook. Donc c'est le même aussi que l'année dernière. Hein. Je garde mes mêmes appareils. Là je pense j'en ai au moins pour 5 ans avec cela. Donc c'est un MacBook Pro 2020 aussi je crois, donc c'est celui qui a le touch bar. Mes deux appareils ils sont en argent pour ceux que ça intéresse. Et du coup bah ça c'est cool parce que dedans je peux stocker tous mes cours. Après j'ai un disque dur 2 Tera où je peux aussi tout exporter. Donc ça c'est vraiment super super méga pratique, donc je mets tout dessus. Et je peux aussi bah, suivre mes vidéos parce que j'ai beaucoup de cours en distanciel. Donc suivre mes vidéos sur le site et par exemple prendre des notes avec mon iPad ici. Faire mes QCM, mes entraînements qui sont là, gérer tous les dossiers. Il y a plein de choses parfois que je peux pas faire via mon iPad ou via mon téléphone pour ma fac. Donc l'ordinateur c'est vraiment super pratique. Et puis voilà, c'est tout pour mes fournitures scolaires. Après j'ai tout ce qui est imprimante avec des feuilles et des feuilles blanches que parfois moi j'utilise pour écrire dessus. Et j'imprime la plupart du temps mes cours parce que bah, vu que je vais pas en présentiel, je ne les tape pas, j'ai pas ce rapport là avec mes cours. Du coup c'est plus pratique de me les imprimer parfois et avoir le côté papier que j'aime beaucoup.
Puis pour ranger tous mes cours, j'ai mes gros classeurs de l'année dernière. Franchement, il me reste beaucoup de choses de l'année dernière, donc c'est assez cool de les garder. Et puis c'est tout pour moi. Moi, je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. J'espère que ça va, vous stressez pas trop. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, même si je vais essayer de vous la monter super vite et de la poster peut-être ce week-end, ce serait trop trop bien. Bah que ça se passe bien, que vous profitez un max. En tout cas, bah moi je suis contente, je vais essayer de m'organiser, de me préparer au mieux pour cette rentrée. Et dans tous les cas, je vais le faire avec vous pour ma série Back to School, qui sort quand même assez tard, donc je suis désolée. Mais bon, c'est toujours mieux et ça peut toujours vous motiver. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.